Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back. Ce triangle, Pat, Spirins, De Jager et Van den Bomen qu'on a découvert. Allez dire dans l'évolution du groupe aussi, d'apporter aussi bien sûr son expérience, son vécu. Jusqu'à Issiagas, qui va pouvoir servir. Onaïou, l'international japonais, pour entrer dans la surface de réparation. Première accélération, premier dribble réussi et premier ballon qui était piqué pour être destiné à Ricili. C'est un des marchés préférés des Toulousains qui s'en rendent très souvent vers le Benelux et les pays scandinaves. Ça, c'est un ballon intéressant pour De Jager, justement. Oh oui, retrait, il y avait la présence d'Ngoumou qui attendait ce ballon, qui le convoitait, qui l'espérait. Il n'est pas arrivé. Une nouvelle possibilité peut-être pour les Toulousains avec Ricili qui va pouvoir enrouler. Ça n'est pas cadré, Saturna. Oh, on a eu où? Il est loin, Saturna Alagbe avec Ricili pour éliminer, qui ne parviendra pas à cadrer. Alan Lagbe en catastrophe qui concède le corner, mais alors très vilaine lecture de la trajectoire de ce ballon de la part de Saturna Alagbe. Onaïou en retrait pour Gou qui réussit à trouver Ngoumou et qui va. Père Dessler d'Almeida, repris là par Onaïou qui est venu défendre. Les deux buts à l'extérieur cette saison de Valenciennes en championnat, que ce soit à Guingamp. Onaïou. Ouh, dans l'espace pour Ricili. C'est une position de hors-jeu de la part du Gallois. Ricili qui est passé sur son premier crochet, mais ensuite qui s'emmène ce ballon trop loin. Ce sera un corner tout de même signalé par le corps arbitral. Possibilité pour les Toulousains sur cette délice. Il a été très bon. 3 contre 4, 3 contre 5 à négocier peut-être pour les Toulousains avec Nathan Ngoumou qui a réussi à prendre de la vitesse l'extérieur du. Là où il y a notamment Anthony Rouge, Tien Spirins et peut-être Ruben Gabrielsen. Non, lui attaque le premier poteau, c'est frappé vers le second effectivement avec Onaïou. Le timing. En tout cas, c'est le même bras qui s'est levé pour Branko van den Bomen et s'est tiré au niveau du point de pénalty. La superbe montée et l'ouverture du score pour les Toulousains signé Ado Onaïou, l'international japonais. Pour la deuxième fois en deux rencontres et qui permet au TFC donc de prendre l'avantage. Lui aussi s'est parfaitement emmené ce ballon. Ricili en relais et Onaïou qui propose dans l'espace. Voilà qui est fait, le japonais peut-être pour retrouver le gallois. Il va falloir éliminer d'abord Geoffrey Tuffaut qui était face à lui. Le centre pour Ricili, l'échange entre les deux hommes qui était quasi parfait jusqu'au contrôle du gallois. Ici à la Silla. Pour Onaïou, le ballon est bon, il va réussir à effacer une première fois Ouattara. Sauf que derrière, au moment de trouver la passe, Pat, il a un peu glissé, l'international japonais. Ouais, bah, il s'est un petit peu... joueur très efficace en sortie de banc. Ah, c'est surtout que quand on a ce profil-là, où bien oh, fait, c'est ça. Bien fait ça, mais... Allez, à droite, à droite. On est bon, dans l'espace pour Onaïou. Sur une remise en jeu, on peut faire des différences. Quand on n'y arrive pas dans le jeu, ce sera un corner en soi. Au stade des Costières. Onaïou qui s'est relevé, Gabriel sait. Et donc Zinga a remplacé Gaëtan Robail. Il est venu se placer aux côtés de Baptiste Guillaume à la fin de ce match. Et il y a la trêve internationale hein, qui arrive aussi, qui va permettre de soigner les petits bobos dans les effectifs des deux formations. Ricili qui tentait de retour. Sur l'ensemble de la colonne vertébrale ou en tout cas de l'ossature de l'équipe. Hein. Oui, Jean Roux qui est passé haut, Jean Roux qui a réussi à faire la différence. Là, Jean Roux encore une fois avec le centre en retrait pour Onaïou. Il a été contré par le visage d'Alain Lallier alors qu'il y avait peut-être la possibilité d'aller chercher juste à sa droite l'un de ses coéquipiers qui était présent dans la surface de réparation. Mais le mouvement collectif toulousain a été splendide. Team, nouvelle possibilité au Onaïou avec le départ de Ricili qui ne sera pas sollicité. Allez, bon. Van den Bomen à 25 mètres, forcément la frappe tendue directement le plus haut possible dans les petits espaces. Onaïou, Silla qui va.